bonheur, d'émotion. Et cette formule-là magnifie toutes les chansons que l'on connaît de Gilles Savoie, la formule avec les cordes, vraiment magnifique. Et je suis ravie d'être venue à Québec pour entendre ce moment et partager avec un public très fier d'avoir vu Gilles Savoie ce soir. La ville où les lumières brillent, la grande ours a perdu sa fille. Nous avons perdu le nord en perdant la nuit. Belle découverte, je connaissais Servat sous d'autres plans. Et l'association violoncelle, violon, piano, vraiment top, avec une mise en scène sobre mais efficace. Des belles lumières, un beau son, puis l'âge est là, mais la voix est restée. Donc vraiment une super soirée. Forcément, c'est quelque chose qui est rempli d'émotions. C'est un peu l'aboutissement d'une carrière qui est exceptionnelle, avec un respect des paroles, de la liberté d'expression qui est la base un petit peu du chant de Gilles. C'est aussi quelque chose qu'on va enregistrer avec Cobrez, évidemment, avec plaisir d'ici très peu de temps. Et c'est important pour tout le public qu'on voit qui participe, qui chante naturellement. Gilles Servat, c'est un peu le grand-père de tous les Bretons. C'est le papa à tout le monde, c'est intergénérationnel. Chanter en famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de générosité, beaucoup de cœur, forcément de l'émotion. J'avais un souvenir très très éloigné en fait, parce que j'avais vu Gilles quand j'étais tout gamin, je pense, dans le pays de Redon, tu vois. J'adore. Ce qui est très chouette, c'est de réentendre tous les textes en fait d'une façon très. Tout est axé là-dessus, quoi, d'entendre tous les textes. Avec beaucoup de bonheur d'entendre toutes les paroles précisément, avec des arrangements qui sont magnifiques. Là. C'était un moment vraiment super. J'ai réchauffé mon sang-froid aux pierres du soleil. J'ai traversé des océans à la puissance de mes ailes. J'ai couru à quatre pattes, la force de mes nageoires a dominé celle des fleuves. J'ai bourdonné autour des étamines. J'ai rentré. Alors j'ai trouvé que c'était Gilles Servat dans du velours. Un super, super arrangement, beaucoup de finesse et toujours au service des paroles et des textes chantés ou racontés par soi. Bourg de bas, debout sur les marais, le croisic tout au bout du grand. C'est difficile. On m'avait parlé d'un spectacle classique, mais c'est au-delà, c'est plein d'émotions. Les musiciens sont superbes. Ils sont superbes. Quand ils jouent, ils sont beaux. La musique, je trouve, sublime les textes. Ils sont déjà très beaux. Mais franchement, les arrangements de Mathilde, c'est quelque chose. On parle de classique, mais je trouve ça assez moderne, en fait, leur manière de jouer. Leur piano à queue, ça, c'est autre chose aussi. Hein. Franchement, un grand bravo. Et alors, j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la dernière, je vous emporte dans mon cœur, mais je crois que c'est quelque chose... On nous emporte dans son cœur, mais on l'emporte dans le nôtre aussi. C'est magnifique. Tu écoutes des musiques et des chansons de là-bas. Cœur serré, tu les chantes. Bon, c'est un grand moment d'émotion, déjà, et avec la mise en valeur
des paroles, la mise en scène contribue beaucoup, mais surtout la musique, la version, voilà. Et après, il est plus important à mon cœur, c'est quelque chose qui m'est touché énormément. Et très sympa aussi la version, par exemple, de la Rue des Campères à ce moment-là, que j'ai adoré. Hein. Globalement, c'est un grand moment. Je crois que c'est une tournée qui va marquer la vie, quelque part, d'une autre façon. C'est toujours riche là-bas avec sa voix, avec ses qualités, mais aussi, voilà, c'est le monde poétique, c'est le monde aussi des courages. Parce que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, qu'il faut avoir chargé. Alors, je suis très content. Félicitations à toute l'équipe et surtout à Gilles. Sur ton lit dans le noir. J'ai joué avec Gilles pendant quelques années et il y a pas mal de morceaux qui sont joués ce soir que j'ai joué avec lui. Et je trouve au niveau des arrangements, des cordes, c'était vraiment super. C'est autre chose. Mais j'ai vraiment apprécié. Gilles, c'est toujours Gilles, hein. La langue de ta mère. Bonsoir, super spectacle, bel univers, belles ambiances, super arrangements, la voix impeccable. Je suis content de merveilleux. Elle ne t'intéressait pas. Maintenant, tu veux. Ah, moi, j'ai trouvé ça super parce que je trouve que les cordes, ça donne un nouvel écrin. C'est un peu comme si un bijou, par exemple, une pierre, il y a plusieurs façons de la tailler. Là, c'était une autre façon de la tailler et qui mettait en relief toute la lumière des textes, des musiques. Et alors, en plus, moi, je suis un peu violoniste. Je suis sonneur aussi, mignon, tout ça. Et ce que j'ai trouvé, c'est la qualité de l'écriture, des arrangements pour le violoncelle et le violon, avec un unisson dans le phrasé qui était remarquable, dans les nuances, tout ça. Chapeau. Et puis bon, j'étais même ému d'entendre ces textes, ces chansons-là, vraiment dans un nouveau contexte, moins rythmé, moins binaire un peu qu'avant. Et là, vraiment, on redécouvre des choses, on retrouve des mélodies et avec des arrangements. Tu n'as plus honte. Écoutez, je suis ravi pour tout le monde, pour les Guérécois, bien sûr, aussi, parce que c'est vraiment émouvant comme spectacle. On est resté sur des idées un petit peu anciennes et puis ça a été revisité. Il y a du classique, il y a de l'ancien, il y a de l'émotion, il y a vraiment. J'écoutais les commentaires autour de moi, tout le monde était subjugué par la force de transmission de Gilles et par évidemment tout ce qui était organisé autour. Il n'y a pas que sa prestation, il y a toute la proposition aussi de déco, d'éclairage. Et vraiment, je suis ravi et je suis content pour les habitants de Cléguérec parce que c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas il y a quelques temps encore de faire venir Gilles ici. Voilà. On est vraiment ravis.